Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum, chers frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Et je vous remercie davantage pour les réactions que vous faites lorsque je publie chaque fois des vidéos. Que Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense pour tout. Donc comme d'habitude, aujourd'hui, je vais vous faire découvrir le secret de Kawsar. Le suratul Kawsar qui renferme beaucoup beaucoup de bienfaits. Comme tous les livres du Saint-Coran d'ailleurs. Donc le suratul Kawsar, cette recette que je vais vous faire découvrir aujourd'hui, Inch'Allah vous facilitera l'obtention des biens matériels. Donc les opportunités financières, tu vois, les relations, l'argent, la richesse, etc. Donc ce que vous êtes habitué à le faire, cette pratique que je vais vous faire donner Inch'Allah, vous allez voir des augmentations, des améliorations Inch'Allah. Donc, le suratul Kawsar. Il est dit lorsque le matin, après avoir la prière de Fajr, donc lorsque vous, après avoir prié la prière de Fajr, vous prenez votre chapelet, donc vous récitez 30 fois. Avant de vous lever, vous récitez 30 fois suratul Kawsar. Ensuite, la salatul dhuhr. La salatul dhuhr, c'est la prière de 14h, de 14h, 13h45, selon le pays où vous vous trouvez. Vous le récitez 25 fois. Ensuite, la salatul asr. Salatul asr, c'est la prière de médiane. C'est la prière de 17h. Vous le récitez 20 fois. Ensuite, la salatul maghrib. La salatul maghrib, c'est la prière du coucher du soleil. Donc, vous le récitez 15 fois. Et la salatul Aïcha, qui est la prière, la dernière prière, la prière de la nuit. Vous le récitez 10 fois. Inch'Allah. C'est comme ça qu'il faut procéder pour cette recette. Inch'Allah, lorsque vous le faites, il faut le faire plusieurs fois. Ayez l'habitude de le faire. Lorsque vous le faites, comme je viens de vous l'expliquer, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala augmentera vos chances, vos acquisitions de biens, vos richesses, etc., etc. Donc, il ne faut pas le négliger. Suratul Kawsar. C'est une sourate qui est très courte et facile à mémoriser. Donc, vous pouvez vous débrouiller pour le mémoriser et l'utiliser, cette recette. Inch'Allah. Donc, je le récite, suratul Kawsar. Inna a'atayna kal kawthara fasalli li rabbika وانحر نشانئك وهو الأبتر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن نشانئك هو الأبتر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن نشانئك هو الأبتر. Donc cette sourate là qu'il faut mémoriser et l'utiliser, comme je viens de vous l'expliquer. Donc c'est une sourate qui est très courte et facile à mémoriser. Donc je la répète rapidement. Suratul Kawthar. Le matin, vous le récitez 30 fois après avoir fait la prière de Fajr. Après la prière de 14h, vous le faites 25 fois. La prière de 17h, vous le récitez 20 fois. La prière de Maghrib, qui est la prière du coucher du soleil, vous le récitez 15 fois. Ensuite, la salatul Aïcha, la prière de la nuit, la dernière prière, vous le récitez 10 fois. Donc c'est comme ça qu'il faut procéder. Inch'Allah, lorsque vous le ferez, vous allez voir des augmentations, des améliorations, Inch'Allah. Donc c'est tout pour aujourd'hui, comme d'habitude. Abonnez-vous. Partagez des vidéos.
Et si vous avez des commentaires, vous pouvez me le poser en bas. Je ferai de mon mieux, Inch'Allah, pour vous répondre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamualaikum, saya Mbok. Angga ini sih ya. Dian wah dan lenjam. Sistem Shen bi. Batin Al Quran. Kamu ni makai faham dah fe? Tapi nama ini bukan sekali bah kami ini. Suratul Kausar ada. Si Suratul Kausar ada nak. Tang kamu ni surat bahu. Dapat bani ainganer. Kamu Al Quran bi absah. Tang tapi nama ini bukan sekali bah kami ini. Inshallah so len kay faral def yalla dina yokku wërseuk bi dina yokku xewal bi inshallah donc nan nga fay defé moy so jullé julli fajar ba paré légui bala ngay jog nga jël sa kurus nga top après nga téri inna taynaka kalkaw sara fasalli li rabbika wan harina shanika wala tar donc surat bob ngay téri dañ koy téri 30 fois so ko téré 30 fois après so julé tisbar julé tisbar bala ngay juk ak sukrus nga téri ko 25 fois so julé takusan ba paré nga def ko 20 fois so julé timis nga def ko 15 fois so julé gewé nga def ko 10 fois inshallah donc non nga fay utiliser inshallah soko defé rek sokay faral def lu bari bari sha yalla ni nga leena dimbali yokou sey xewal ak sa wursak inshallah donc suratul kawsar la nang koy def salatul fajr moy salatul fajr 30 fois fani wéru yon salatul zuhr moy salat tisbar so jëlé tisbar paré nga def ko 25 fois moy ñaar fukku ak juroom salatul asr moy julli takusan nga def ko ñaar fukki yoon salatul maghrib moy julli timis so jëlé timis paré nga def ko fukku ak juroom moy 15 fois après salatul isha moy julli gëwé paré nga def ko fukki yoon inshallah non nga kay defé chaque fois chaque jour rek inshallah so julé ba sel julli juroom ba paré bala ngay juk fi nga tok nga jël sa kurus nga concentré wa après nga utiliser comme ni mako waxé légui inshallah so kay faral def non rek inshallah yalla ne yok say wërseuk dina yok xéewal yu bari ne nal ko yobal donc xana tari wat inna atayna ñu ko mokalul sar bu gatt la ta fas yomuna tamit mémoriser inna a'tainaka al-kawsara fasalli li rabbika wanharin nashaniaka huwa al-abtar inna a'tainaka al-kawsara fasalli li rabbika wanhar innashaniaka huwa al-abtar inna a'tainaka al-kawsara fasalli li rabbika wanharin nashaniaka huwa al-abtar donc suratul kawsara mo nek nonu yomuna memoriser yomuna dugal ci xel donc comme ni ma kay faal defé rek abonné len bu len faté tamit activer cloche de notification su ko defé yeneen vidéo yu may dugal yépp ngeen tel ci jot té len sante di len gërëm assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yéne ngeen jëf.